rejoindre les Sables d'Olonne, où la compétition reprendra le 14 juillet. C'est à Roscoff, en terre léonarde, que s'est joué l'acte 4 du Tour de France à la voile. Très attendu dans le fief de Prince de Bretagne, où ils ont eu droit à un accueil chaleureux, Lionel Lemonchois, Mathieu Souben, Benjamin Amieux et Didier Levourche avaient à cœur de s'illustrer lors des deux journées de régate disputées dans la baie de Morlaix. On jouait un petit peu à domicile, hein, donc on avait envie de bien faire pour faire plaisir, et puis pour que les gens de Prince de Bretagne soient vraiment contents de ce qu'on fait tous ensemble. On est toujours bien accueillis ici, et pas seulement parce qu'on a écrit Prince de Bretagne sur le t-shirt. Pour moi, c'est la ville aujourd'hui où, depuis le début du tour, on a eu le plus de monde. Ce sont des gens motivés, des gens intéressés, et voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là. Un public de passionnés et un décor de rêve en guise de terrain de jeu. Lancés sur un raid côtier de 36 000 nautiques pour débuter, les Diam 24 se sont livrés de belles bagarres sur un plan d'eau aussi complexe que somptueux. Huitième à couper la ligne d'arrivée d'une course qui les a emmenés tricoter dans les courants et flirter avec les cailloux de l'île de Bas, Lionel et ses hommes avaient bien débuté dans les eaux de Roscoff. On a fait une belle course, c'était vraiment une belle journée. Déjà, il faisait au niveau du temps, hein, il faisait grand soleil, du vent. Donc c'était un départ devant le port de Roscoff, là, et puis un tour de l'île de Bas. Et puis après, aller chercher une bouée devant Trébeurden. Et puis retour à Roscoff. Donc c'était un joli parcours dans un beau décor et c'était vraiment super. Septième du classement général à l'issue du raid côtier, l'équipage espérait marquer à nouveau des points sur les parcours stadium, exercice sur lequel il s'invite régulièrement aux avant-postes. Mais une collision a ruiné tous ses espoirs sur le premier bord de la finale or. On est un peu passé à côté, on fait 4 manches de qualification moyenne malgré une belle victoire de manche quand même. Mais le bilan comptable est un petit peu moyen, et c'est surtout sur la finale où, comme à Pornichet, on passe complètement à côté. On était bien dans le rythme, mais on a un petit accrochage avec Spindrift en fait, où on est en tort. Donc voilà, donc c'est ce qui nous oblige à abandonner, parce que notre safran est cassé aussi, lui il est obligé à abandonner aussi. Donc voilà, c'est toujours un peu, quand il y a de la casse de matériel, c'est toujours un peu décevant. Ouais. Alors, l'étendue des dégâts, bah voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un morceau du safran qui s'est, dans la collision, qui s'est enlevé. On sait que dans ce genre de parcours, les parcours stadium, il y a toujours des risques de collision. Donc on avait prévu des safrans de secours pour notre bateau. Donc ça va le faire pour les Sables d'Olonne. On sera prêt et on fera beaucoup mieux.